pour arriver. Venant de la shore, ça tient sur le promédial, mais Dan va tomber sur le trade. Allez, Kyojin, faut enchaîner! Faut enchaîner! Et la perfecto ne sert plus à rien! 8 secondes! 7 secondes! Oh. Kyojin sauve l'Evita sur le round! Wow. Allez. Et là maintenant, faut se dépêcher pour venir aider Ziwo. Allez! Allez, l'agent Z qui va déjà récupérer Simple, il reste encore 3. L'assaut arrive, mais Ziwo tient le BPA, il faut encore, il en reste 2. Il en reste 2 pour aller chercher ce 10-5. Ziwo maintenant est terminé, il ne reste plus que Shoxi en 1v2. Allez, allez Shoxi, allez, va le chercher ce 5ème round. Ils ont pas encore l'information sur toi. Le duel important face à Perfecto, ça passe. 1v1 face à Bobiche, la coquille pour l'instant qui passera pas. Il a pas l'avantage sur ce duel, il a vraiment pas l'avantage, mais ça va passer. Le stop. Allez pour un 5ème round. Et maintenant, eh ben écoute, c'est en attaque que les Français vont devoir imposer leur style. Allez, on se retrouve dans quelques instants après les highlights pour la suite de ce match et ce superbe clutch de Monsieur Shoxi. Première carte choisie par les Navis. Et là, les Français ont un déficit de 5 rounds à remonter avec un pistolet qui ne commence pas très très bien. Oni, on a voulu récupérer la longue. Ça s'est bien passé. Mais derrière, le passage sur le bomb site est impossible à gérer. Difficile. Difficile. Oh, oh, c'est pas vrai. Et Vitality qui vient quand même remporter un force buy qui était très compliqué. Hein. Ouais, très difficile. Et c'est surtout là, on peut dire merci à Apex. On peut dire merci à Apex. C'est lui sur le round qui vient chercher le middle et qui va prendre la short tout seul. Fixer le joueur du BP, fixer le joueur. Oh, Simple va donc aller à la charge et être au contact. Il va donner la première flash. Il va en prendre un dans ses bits et électronique finalement qui font un festival. Ça tient pour les Navis sur le A qui refusent l'accès. Il reste encore Shox et Ziwo pour la suite. Ouais, ils le savent, hein. Ils le savent qu'il y a un danger au niveau de ce pit. Shoxi pour le double de balle et derrière. Il va laisser maintenant le Ziwo tout seul. 1v1, 20 secondes, 7 bombes au spawn. Il faut aller le chercher, Perfecto. Est-ce qu'il a un deagle? Quelque chose. Non, faut le jouer au snipe. Allez, et ça va passer au snipe. Ce doublé, faut qu'on le revoie. Faut qu'on le revoie parce que ça tient pas sur le A. C'est vraiment à l'indif qu'on va le chercher ce round. Ouais. Déjà, les tontons clutchers. Électronique met la même au début sur cette avancée corne. Et puis derrière, oh là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est propre. Ce qui nous met le Shoxi là derrière. Richard vole comme un papillon. Et on a potentiellement un 4v1 là, face à Electronique. Hein. Et vraiment. On a réussi à prendre la short sur le round précédent. Attention à la position d'Electronique là qui pourrait s'aligner. Ça va s'aligner pour lui. Il fait le triplé. Oh. Le quadruplé d'Electronique qui vient faire taire l'Evita. On va donc concéder D2. Faut le dire quand même du côté des Navis. Boumich a bien su utiliser ses joueurs pour rendre fou cette défense des Vitality. Pourtant, on était bien revenus quand même là, hein, sur ce side d'attaque. Hein. Ils ont montré des belles choses, les Français, de grosses ouvertures. Ce petit double tap de Shox qui avait fait du bien également. Mais bon, bah c'est Navi en face, hein, tout simplement. Et on a des joueurs capables, à l'image d'Electronique, de défendre des bombes sites en solitaire, 16 à 10. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un P250 et un petit peu de stuff sur Shox. Kevlar pour ses coéquipiers et une exec B face à des navis qui sont bien préparés contre ce plan de jeu. Accélération sur le B directement avec Ziwo qui va venir, il va intercepter vite en l'air. Ziwo vole, Ziwo pique. Oh, le coup de beurre sur vite, il était tellement dégueulasse. Attention par contre que contre temps, non. Et là, insane. Allez, ça dégage. Et la bonne inspiration de Mizuta. Voilà, il n'en faut pas plus. Au moins du 1 pour 1 pour Shox. Vite et l'OHP. Ah non, Ziwo qui tombe avant. Oh oui, Shoxi oui. Que c'est intelligent, Benji. Il s'est servi de cet HE pour justement masquer sa décale et reprendre les deux joueurs. Oh Richard, on va devoir faire la tourelle. La flash est bonne. Petit coup de pression de Kyojin, on se repositionne. Allez, faut tenir. Il faut tenir sur les trades. Allez, on est bon là, on est bon. Oh non, il reste plus que Shoxi en V3. Shoxi est terminé. Oh non, il fallait décaler à contre-temps. Il ne reste plus que deux joueurs sur le B. Allez, déloger, on va y aller à 3. Allez Ziwo, fais-nous du Ziwo s'il te plaît. C'est compliqué pour l'instant. Ouais, la ligne cassée de Perfecto est bonne.
et ça risque de ne pas passer pour les Vita sur ce round, mais c'est pas grave, excellent premier side malgré tout des Français qui sont devant. Restez avec nous sur OSL, les Vita remportent leur side, il y en a un deuxième à jouer. Allez, il semble être un petit peu blanc, mais il avait la ligne. Ah, Kobe, grenade de shocks en fait, autant pour moi. Retour oui. D'amabilité. Oh, Zivo. Oh, le flic chanture électronique. Oh, la saleté. Et ben là, il est là, le round Zivo. Il vient mettre un truc sur électronique inhumain. Ouf. Non, c'est inhumain. Non, le replay, faut pas le voir au ralenti, hein. faut le voir à vitesse réelle. C'est là où ça a le plus d'impact, mais tout de suite, tellement rapide. Avec le retour de Mizuta aussi, Mizuta il est capable de défendre. Oui, oh, il est capable de défendre Mizuta, cette longue. Boumiche électronique. Mizuta sur la longue, Benji. Oui. Distribution, deuxième tournée. Il y en avait une tout à l'heure sur le site en haut, il en fallait au moins une sur le site CT. Et c'est plus le même round maintenant. Ah, on rigole moins là. On avance sur le BP avec la peur au ventre du côté des navires, il y a trop de bons cross. On veut rentrer où? Où est-ce que vous venez? Qui au gifle sur la short? Pour conclure. Quel message avant d'aller se rendre sur Nuke. Il faut aller le chercher ce match. Il faut aller le chercher jusqu'au bout. Et on l'a pas assez dit, on l'a pas assez souligné parce que bien évidemment il nous habitue à chaque fois à ce genre de match, Benji. Mais Zivo, 25-10, 102 d'ADR. D'amorcer cette bombe, mais là maintenant on est en bonne posture. Attention à Boumich, il est pas naïf Zivo. Il le sait, il le connaît le capitaine russe, mais pour l'instant c'est pas suffisant pour l'éliminer. Et il va se faire éliminer. Aïe, est simple, le petit one sur Shox. Allez, faut y aller sur les duels, Allez, c'est pas fini. Aïe. Oh, c'est pas vrai. Simple. Par des entrées différentes, là c'est incroyable. Incroyable, Boumich qui était focus sur le fumier. Mais il est totalement enfermé maintenant au niveau de cette petite porte. Oh. Très joli réflexe de la part de Kyo. Allez, faut enchaîner encore un petit. What? Allez, Kyo gifle. Engagé, il y a encore un autre joueur qui est en haut, il descend par les ventes, allez Kyo, ça vient pas. Oh, les dingueries qu'il a mis Kyo Jin sur ce round. Ils se sont immédiatement repositionnés, c'est vrai que étant donné que Kyo n'a jamais travaillé, et on pouvait s'y attendre. La spéciale duo, la spéciale sur l'échelle. Même beat n'y échappera pas. D'ici quelques instants après la petite page de pause, restez avec nous sur OSL. Double décal, attention, la porte est ouverte, maintenant ça va être difficile, ça reprend également par la porte méta. Boumich est repéré, Kyojin n'arrive pas à le tuer et il fait patienter Boumich, mais finalement Kyojin arrive à trouver le kill sur le capitaine. 2v2 maintenant. Oh oui, festival Kyojin. Oui, c'est vrai. Distribution de gifle. On va mettre 4 sur ce bomb site. Aïe, les Vitality là sur ce rune. Oh non, ils vont s'empaler peut-être. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir tirer avantage de la puissance de feu des AK avec un Simple déjà repositionné maintenant sur ce bomb site qui est en train de faire des ravages. Le triplé de Simple, le 15ème pour les navis. Faites-nous plaisir. Allez, et 2-1, à plus. Et 2-2, spray transfert. Voilà, superbe. Ça se met complètement ce 2v3. Allez Kyojin, sois fort Kyojin, fais les deux. Pour l'instant il se montre et c'est compliqué ce move là qu'il est en train de nous faire, mais il arrive à se repositionner. Il est un petit peu au milieu de nulle part, il le sait, il est en grande difficulté sur sa pose. Shox qui va devoir faire le travail maintenant à sa place. Shox pour le premier. Allez, faut enchaîner. Aïe, au niveau de ce dark c'est trop dur pour lui. Et Simple était déjà en train de désamorcer. 16ème point pour les Navi qui s'imposent donc sur leur deuxième pick. Ah, on y a cru quand même, hein. Ce deuxième side, les Vitality l'ont quand même très bien géré. Faut se souvenir d'où ils partent.
Ils ont bien monté quand même, ils ont bien monté. Il y a eu ce round Benji, ce round à l'aveugle qu'on a voulu, où on a voulu jouer sur l'inté. Et là, regardez, simple. 1, 2, 3, gauche, droite, partout. Et c'est encore lui une nouvelle fois, hein, sur le dernier round. C'est lui qui vient libérer les Navi avec ses coups de snipe. Monter sur ce BP, mais attention justement avec Electronic et Beat qui auront une double ligne pour ce revenge avec le passage. On y va tout doucement, mais oui, Kyo. Oh, il choque, ça allait vous faire tomber Beat. Il révèle sa position, il veut pencher sur un doublé. C'est Choc qui le fait tomber, un amorçage de la bombe. 3 contre 2 pour les Vitality. Et on va reprendre par le CT. Kyo gifle directement sur l'entry. Et après, c'est Choc qui vient assister sur l'offensive. Il reste encore les deux joueurs. On va vouloir reprendre en même temps. Oh, il reste plus que Boomish, le capitaine, 59 PV, 1 contre 2 pour lui. Il ne veut pas tomber pour Choc. On va revoir les actions. Regardez, Kyojin sur le premier, il ne le voit même pas. Et c'est Choc derrière. Décale rapide, sèche sur Apex. Et par deux fois, Choc ouvre le BP et conclut ce round. Toujours pas de sniper de chaque côté. Et là, la petite triple HE. Oh, la triplette. Oh, alors, est-ce qu'il y a du monde pour la HE? On avait qu'une d'ailleurs. Oh, il y en avait trois. Et Choc, il a fait un gros travail au niveau de ce B, il a marqué les esprits. Il a presque tué Electronic, ça n'a pas été suffisant. Boomish qui ne croit pas à un finish au niveau de ce B, qui croit à un finish au niveau de ce A, et c'est plutôt bien senti de sa part. Attention le coup sniper. Simpa n'a pas le temps. Ziwo l'a décapité, les Vitality ont déjà ce BPA. Attention à la reprise, il y a Vite qui arrive et c'est calmé par Kyojin. Ça tient l'explosivité des Vita sur le BPA. Bon. Contrôle de carte encore une fois. Moi j'aime pas ces rounds là, ça fait un peu peur, tu vois. Oh. C'est des joueurs extrêmement skillés, armés de simples Kevar avec des Deagle. Oh, Choc. C'est quand même des mecs qui sont capables de mettre des énormes pralinos. On s'est croisés, on s'est fait oh, des bisous. C'est beau ça, c'est on beau. On n'a pas respecté les gestes barrières ici entre Choc, c'est perfecto. C'est beau. Et il va contrôler son pass ici, il va contrôler son pass. Oh oui. Oui. Ils ont pas leur pass. Richard. Mais oui. Allez dehors. Ça dégage. Et regardez ce petit move parfait de Choxy qui a senti, je leur dis, faites rien. Faites rien, je m'occupe de tout. Patienter. Tu sais que j'ai eu un peu peur sur Electronic qui était en petit flash. S'il est dans l'autre sens, il n'y a pas le même round. Ah, si le mec qui regarde, il n'y a pas du tout le même round. Navi, c'est une équipe en attaque en fauteuil roulant. Et là, sur Overpass, ça fait pas leurs affaires. On arrive aux portes de ce site B. Il faut tenir pour Mizuta. Il en fait un, il n'en fait pas deux. Kyojin fait tomber la bombe. Kyo qui enchaîne sur un doublé. Apex à son tour, il ne reste plus que Boomish. Couché, Boomish. Kyojin est trop fort sur cette game. Oh, et Simple qui va punir Apex sur sa reprise. Allez, c'est Choxy qui perd son gel aussi, mais il reste encore Ziwo qui vient déjà intervenir avec Kyojin. Ziwo qui cherche son adversaire, qui le trouve. 1 contre 1 face à Perfecto maintenant. Pour le 15ème. Pour le 15ème. Non. Ça passe pour Navi, 14-7. Mais le 1 contre 2 qui a failli passer pour le Petit Prince des Hauts-de-France. On prend pas de risque, on attend sur l'avantage des armes, l'avantage des snipers, l'avantage des rifles ici. Eh bien, Choc fait la première élimination, avantage numérique et avantage des armes. Allez, Ziwo qui enchaîne. Allez, faut enchaîner. Décapitez-les. On va vouloir prendre position sur le BP. Boomish va faire tomber Ziwo, mais enchaînement parfait d'Apex. Et Apex tombe à son tour sur Electronic. 2 contre 3, le contre-temps de Choc qui arrive. Choc fait tomber Perfecto. Allez, couchez Navi, couchez. Choc, ça a éteint, a détruit tout au long de cette carte. Electronic qui n'a pas pu jouer. Il l'a détruit, Choxy. Il en a eu encore une nouvelle fois. Hein. Une nouvelle fois, une carte incroyable des Vita. Back to back, on perd Nuke, pas de souci. On vous rend la monnaie de la pièce sur Overpass. Et quelle carte, hein. Quelle carte collective. Hein. Chox, incroyable sur son extrémité B. 25-11, 1,96 de rating, 123 d'ADR pour Choxy. Il s'est baladé. Et on va donc jouer directement en full écho. Ouais. Un seul P250 sur Apex. On va t'en faire des dégâts économiques sur ce round. Déjà, oui, un petit peu. On s'est réglé par les FAMAS, mais on a fait tomber une arme sur cette full économie. Attention à Boomish qui va avoir les premiers contacts. Il faut un bon trade. Oh non. Allez. C'est passé. Allez, faut prendre position sur le BP. Simple qui arrive sur une revenge. Apex qui intercepte Beat.
Ça se profile bien là, sauf que Electroning arrive déjà à récupérer Shoxi et Simple avance. Oh, Simple qui joue avec le fumigène qui pourrait faire tomber cette bombe. Oh, il tire à côté. Il a manqué Mizuta deux fois. Il le touche sur le deuxième tir, mais ne l'élimine pas. 3 contre 3. Grosse frayeur ici pour les Vitality qui s'en sortent. Et Simple qui trouve Ziwo. Simple quand même, c'est un sacré joueur. Peut-il enchaîner? Les deux joueurs de Vitality se cachent. Et attention, on sait que Apex est au niveau du connecteur. Il va falloir gagner ce duel pour Mizuta. Ça ne viendra pas, on feinte l'amorçage. Il n'en prendra qu'un Apex à travers ce fumigène. Back to back, on répond. D'ici quelques instants, Mizuta perd son duel sur Bit qui arrive à isoler la zone et gagner quelques secondes précieuses. 42 secondes pour être exact, il va falloir exploser rapidement. Mais regardez, Simple est déjà replacé à cet effet. Oh, Kyojin qui trouve vite, ça touche encore pour Simple, mais il n'arrive pas à tuer depuis tout à l'heure. Il met des gros dégâts, c'est Perfecto qui tient. Simple qui est repositionné au niveau de ce fond site, il prend Shox. Perfecto, la tourelle, et Perfecto conclut sur quoi? Un triplé, quadruplé ici pour lui. On se suit pas sur Perfecto, et c'est Simple qui a complètement ride le jeu d'Evita, et qui est reparti se repositionner. Bah, il manquait d'utilitaire aussi, de Vitality, pour pouvoir prendre cette zone, pour pouvoir sortir le sniper qui est Simple. Et puis derrière, Perfecto qui peut faire son affaire. Hein. Alors il y a une double HE qui pourra arriver sur Kyojin, faudra faire attention, mais pas de molly pour le dézoner, ça commence à reprendre déjà. Il le sait Kyojin, il le sait, il va déjà faire tomber Bit, avantage numérique déjà donné par la jeune pépite. Devita, reprise à venir, oui, ça enchaîne. Oh, il tient face à Boomish, chez Simple et Perfecto vont peut-être y penser à deux fois avant d'y aller avec leurs armes et la décision est prise, il fuit. Apex a récupéré son kill au niveau du top mid. Et là derrière, on arrive à prendre de l'espace, on arrive à amorcer cette bombe avec les fumigènes qui ont été posés. Et derrière ça tient, avec le setup, notamment grâce à Kyojin. Plus que 25 secondes, on a encore peur et maintenant il va falloir accélérer, mais surtout il va falloir être bon dans les trades, il va falloir bien se suivre. Allez Bit, pour défendre, c'est le seul joueur à la défense de ce site. S'ils font tomber cet adversaire sans perdre, c'est quasiment le point qui se joue. Kyojin ne se montre pas, Bit qui tire, Bit qui est repéré, faut l'éliminer, c'est pas fait par Shox. Ah non. Ah là, il est encore en position, 7 secondes, 7 secondes. Ah non, non, non. Mais tuez-le. Ah, il va décaler. Oh non, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce round? Numérique, Dan a apporté l'avantage. Et derrière, regardez, hein, le repositionnement. Non, Shox, il s'est loupé. Ah, Shox s'est loupé. Et là, c'est l'alignement des planètes. Hein. On va donc passer par la case écho. Oh. Electronic, on l'a retrouvé. C'est pas le. Ah, par contre, faut signaler pour Electronic. C'est pas Electronic d'Overpass. A mon avis, attendre une flash de ses coéquipiers. Il va pas bouger, Blue Michin. Il va rester ici. Maintenant, il est repéré. C'est une certitude. La flash est arrivée. Kyojin est obligé, malheureusement, de concéder. 3 contre 5. Ça sent pas bon. Il reste plus qu'Apex et Ziwo. Apex ne peut pas faire d'élimination. Ziwo passe sa vie tout blanc. Ici, sur ce site, Ziwo est battu par Electronic et Navi se rapproche un peu plus d'un sac. Et surtout, de remporter l'Intel Grand Slam. Allez, on se retrouve après les highlights, après une petite page de pub. Restez avec nous sur OSL, c'est pas fini, on y croit. Joueurs pour tenir, ça tient avec Apex, la reprise arrive par le CT et malheureusement Electronic va déjà faire taire le capitaine. Oh, Shox, va-t-il le faire, Shoxi 1 contre 2? Oh, il a mis un truc de dingue à Perfecto. Allez Shoxi, il touche la bombe, les adversaires n'y croient pas. Electronic et Simple, ils s'y prennent à deux pour se débarrasser de Shox. 22 kills déjà pour Electronic. Il va y avoir sûrement un repoussement. Ils sont trois. De Boomish. Ils sont trois sur la même zone. Allez, on reprend pas le guichet. On reprend. 1v1. Perfecto. Face à Shox. Allez, les se repèrent. Allez, champion. C'est ton moment. Il faut gagner ce clutch, Richard. Shox pour permettre à Vitaly de s'imposer et de prendre le 7ème point. Il est tout seul, Mizuta. Peut-il se suffire à lui-même? Mizuta pour une distribution de Mizutart. Il prend la première élimination. Il prend le second. Mizuta. Tire le BP tout seul, on peut revenir, la bombe est tombée, Ziwo est déjà là. Enchaînement de Mizuta tombé. Allez, Kyojin la tire, attention. C'est beau, allez. Il tient. Allez, faut enchaîner, faut que tu te donnes, Kyo. Faut que tu te donnes là. Faut laisser Shox invisible. Ils vont ignorer Shox. Normalement c'est gagné. Allez Shoxi, c'est simple, hein. Le rune est simple. Le premier kill est là. Et le deuxième est là pour Shox, bien sûr. Très bon setup des Vitality. Là où Mizuta est seul, il aura une smoke cette fois-ci. Ah, ils vont débouler sur Mizuta, il y a du tech 9.
Attention à pas se faire glouglouter. Choc s'en fait un, mais Mizuta est isolé. Mizuta est dépassé. Oh non, attention, 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 attention. Oh, on s'est fait trop surprendre. Non, pas comme ça. Pas sur un rush B. C'est pas fini, 3 contre 3, Mizuta, pour une distribution encore une fois, ça ne marche pas ici, Shox s'est replacé, oh, on l'ignore complètement Shox, il reste en vie, il gagne du temps, il appelle à l'aide, où est Ziwo? Il n'a pas besoin de Ziwo pour l'instant, allez, il survit, Ziwo arrive. Ziwo le conquérant, l'agent Z est revenu pour assister Shox et conclut ce round, on n'est pas fini. C'est pas fini, Oli. C'est pas fini. Parce qu'Apex est ignoré, Apex est oublié, c'est pas grave, il y a encore Apex sur le site, il va le faire tomber la bombe, il est vengé par Simple 2 contre 2. Attention 2 contre 2 et on va arriver aussi par le CT pour Ziwo, oui. C'est Shox, allez on sait où il est, on sait où il est, ne surjouez pas et ça fonctionne, l'agent Z conclut ce round. 15-14, deuxième round de victoire pour les Navi. Pas de sniper sur Simple. Mais il y a des AK. Beaucoup d'AK. Oh, c'est une rapide. Un sniper dans les mains de Ziwo. Est-ce qu'ils vont venir tâter du A? Allez Ziwo, faut pas craquer. Hein. C'est une rapide. C'est une rapide. Ils vont arriver par le connecteur et directement par la rampe contre temps au niveau du palace. Attention, Ziwo qui a décidé peut-être de se replacer au très bon moment. Qui a attrapé. Oui, ça... Kyo. Allez. Allez. C'était un 5 contre 3. Ouh, Simple. Transformé en 4 contre 3. Simple entre les lignes. Simple entre les lignes. Qui rétablit la attention, balance. Allez, faut aller chercher ses duels. L'Apex, c'est manqué. Allez. Allez Ziwo. Allez Mizu. Malheureusement, on va avoir peur de l'avancée de Simple. Il sera pas là. Il est repositionné directement au niveau du BP. C'est Simple là qui est en train de faire la game. C'est Simple qui a coupé la rotation. Et on a peur là du côté de Ziwo, on ne sait pas sur quel pied danser. La bombe n'est pas amorcée, pas besoin de se précipiter. Où est Mizuta? Il est dans la corne. Allez, on patiente, cette fois-ci c'est sûr. Cette fois-ci c'est sûr. Il faut aller la reprendre. Il faut pas avoir peur. Il ne trouve personne, Ziwo. Il ne trouve personne avec son sniper. Il Allez. En prend un sur Perfecto, il n'a plus de points de vie. 4 PV pour Ziwo. C'est à Mizuta de jouer, c'est à Mizuta d'arriver, de jouer, mais il est battu par Simple. Allez. Simple va envoyer Navi et va empocher $1 million. Simple, Ziwo, 22 kills, mais pas plus. C'est Simple qui conclut. Navi remporte $1 million. Navi remporte une telle grand slam. Navi remporte la finale de la saison 14. Au bout du suspense de l'ESL Pro League. Ça s'est joué à un détail. Oh, 16-14, mais quelle finale! Un quelle détail, finale! Bien sûr, forcément, là, Oni, ce qui nous vient, ce sont des regrets. Mais prenons un petit peu de recul et disons-nous qu'à un mois du Major, une équipe française est capable d'aller chercher Navi jusqu'au bout, dans les retranchements. Un BO5. Jusqu'au bout, dans un BO5, ils sont capables de le faire, ces joueurs de Vitality. Il y a quand même à retenir que cette équipe française monte en puissance, que l'intégration de Kyojin se fait. Alors ça n'a pas été suffisant pour gagner aujourd'hui, ça n'a pas été suffisant pour soulever un trophée. Mais le plus important, c'est dans un mois et demi, le plus grand tournoi de ces deux derniers, de ces deux dernières années de Counter-Strike sera le PGL Major. Et les Navi seront les grands favoris, bien sûr, avec Gambit. Et Vitality, avec cette performance, est en train de se positionner comme outsider. Simple. Simple Royal, hein. Son équipe était en difficulté, il faut aller chercher la victoire. On envoie Simple. Et quel run, hein. Regardez, ce sont des joueurs de Navi qui vont rentrer dans la légende de Counter-Strike. Ils sont la troisième équipe à remporter l'Intel Grand Slam après Astralis en 2018, après la domination éclair sur 6 mois. Tous les trophées remportés par Team Liquid. Navi inscrit son nom, rentre dans la légende de Counter-Strike. Il remporte l'Intel Grand Slam 2021. Il remporte, bien sûr, après les IEM Cologne USL Pro League. Ils empochent avec ce titre en finale $1,195,000. Le million de l'Intel Grand Slam et le cash prize de l'ESL Pro League.